Nous, il aura rien. Il aura rien. Bon, les pompiers viennent d'arriver. Ils ont commencé à éteindre le feu. Je pense que... bon, ils sont arrivés un peu tard, mais ils sont arrivés quand même. Et voilà, en quelques minutes, ça a éteint le feu. C'est-à-dire que bon, on aurait pu limiter vraiment les dégâts si ils étaient arrivés un peu tôt. Mais bon, rien n'est tard. En tout cas, pour ma part, je viens de finir les courses. Donc, voilà, je pense qu'ils pourront préserver l'investissement qui est en bas. Bon. On ne sait pas, mais en tout cas, en quelques jets d'eau, ils sont en train d'éteindre le feu. Et je pense que bon, ça prendra juste quelques minutes pour éteindre le feu, quoi. Voilà. Voilà. Ça a pris juste. Ça a pris juste 2 minutes. Le feu est éteint. C'est-à-dire que bon, on doit vraiment réfléchir à comment est-ce que on règle nos problèmes d'urgence. Parce que les pompiers, ils ont bien. Voilà, là, ils sont rentrés hein, dans les magasins. Ils sont en train de rentrer dans les magasins. En tout cas, en haut, ils ont réussi à éteindre le feu parce qu'on voit une forte fumée, mais plus de flammes. Bon, je stoppe back à mes occupations. C'était juste. Comme il y avait un développement, j'étais juste à côté. Il fallait que je vous rende compte par rapport à l'arrivée des sapeurs-pompiers qui sont entrés dans les magasins. Je crois qu'ils sont juste en train d'inspecter s'il n'y a personne. Bon, je vois pas trop de cris alarmants. Ça veut dire que. Voilà. Allez. Excellent week-end, Yako, à ceux qui ont perdu leur bien. Ah non, c'est en train de... Il y avait un feu qui couvait, ben, ils sont en train quand même d'éteindre. Yako, à ceux qui ont perdu leur investissement, Dieu nous donne la bonne compréhension. Ils vont continuer leur service. Ils vont pas la police sont là, ils vont